Salut, salut, c'est Lil Ro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test moto de la 85 SX KTM de 2010. Grande roue, elle fait 28 chevaux, elle est préparée par Bud Racing. Franchement, cette moto elle a une stabilité remarquable pour voir que c'est une 85. Un petit défaut, l'amortisseur arrière, il est un peu souple pour un adulte. Après, je pense que dans les réglages, ça se peaufine, mais moi, je trouve qu'il est trop souple d'origine. Franchement, ça tracte de ouf. Ça n'a pas du tout de peine à me traîner. Dans les bas régimes, elle est un peu pauvre. Mais dans les hauts régimes, si on vise juste, elle s'essouffle jamais. Elle monte dans les tours de façon hallucinante. Elle accepte le tout sans broncher, à condition d'être sur le bon rapport. Sinon, elle radote un peu. C'est son seul point négatif. Le moteur est quand même super performant. Le châssis est au top. Les fourches sont de très bonne efficacité pour voir que c'est un 85. KTM, franchement, ça donne la patate. Elle a tout d'un grand modèle de chez KTM. Sauf que c'est un modèle réduit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test était assez complet, et profitez des images, et à la prochaine pour une autre vidéo.